I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. La phrase absolument magique, effectivement, et l'acting est très cool. Allez, c'est parti! Elle est rapide. Ok, je vais touiller de ouf. Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure Elden Ring. On va faire un petit résumé de ce qu'il s'est passé précédemment, puisque là nous sommes à un moment clé de l'aventure, encore une fois. On a toujours notre quête principale qui nous a été donnée au niveau de la capitale de Lindel et qui nous a demandé d'aller jusqu'à la forge. Mais la forge, c'est dans les cimes des géants. Entre temps, nous avons eu l'occasion de récupérer le médaillon secret de l'ascenseur de Rold, un médaillon secret qui nous a mené jusqu'au chemin de l'arbre sacré, qui nous a fait emprunter notamment les champs enneigés consacrés intérieurs, ce qui nous a mené à la ville de Ordina, la cité liturgique, un endroit dans lequel on a rompu un sort et qui nous a téléporté jusqu'à l'arbre sacré. Pourquoi est-ce que je vais là? Eh bien tout simplement parce que certes, ma quête principale je la connais, mais entre-temps, dans les égouts de Lindel, j'ai récupéré le sceau de la flamme exaltée, et le seul moyen pour moi d'en sortir, le seul moyen pour moi d'avoir le maximum de possibilités de choix pour la fin de Elden Ring, c'était de suivre la quête de Millicent que l'on a accomplie et qui nous a mené jusqu'au combat symbolique, un combat qui a fait tellement parler de lui et à juste titre puisqu'il est extrêmement compliqué, le duel contre Malenia, et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, du moins, je l'espère. Parce que je vous le dis, là, je suis dans une galère infinie, c'est-à-dire qu'en gros, je tente le combat depuis plusieurs dizaines de tries, depuis maintenant hier, et ça ne passe pas. Donc, j'espère que je vais y arriver. J'espère y arriver avec les conditions que je m'étais données pour le let's play. Au pire des cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera un détour, on fera d'autres choses et on y reviendra ensuite. Mais là, dans tous les cas, c'est vrai que c'est le premier mur que je me mange dans la gueule et je vais vous expliquer pourquoi on va lancer le combat. Alors déjà, côté build, sachez que je suis repassé aux deux lames, une dans chaque main, une arme que j'ai adorée lorsqu'on a fait la capitale de Lindel, enfin juste avant justement, toute la partie plateau d'Altus et tout ça, et c'est vrai que j'avais vraiment envie de la récupérer. Même si, je vous cache pas qu'il y a une petite défaite déjà, c'est celle de ne pas pouvoir faire le combat à l'arme lourde, puisque l'arme lourde, c'était ce que je voulais faire jusqu'à la fin de la forge. Mais c'est pas grave, on y reviendra peut-être. Toujours est-il que là, ce duel, il est complexe pour plusieurs raisons. Déjà, le combat, vous allez voir, il va très très vite. Je parle avant que les choses s'entament. Et puis surtout, il y a une attaque que je ne sais pas esquiver. Alors, déjà, pour le build, sachez que j'ai remanié aussi pas mal mes points de compétences, donc je suis toujours niveau 99, mais j'ai remis énormément de points en dext pour faire plus de dégâts, mon arme est montée plus 10, et donc on va commencer par faire l'infusion d'or. On va aussi faire la potion. Et là, c'est parti. Donc là, première esquive importante, celle que je viens de faire, c'est-à-dire réussir à ne pas se prendre trop de coups. Là, une fois, deux fois. On repasse derrière.
Et là, on fait gaffe. Elle ressaute. Pas du tout. Et mince. Donc là, vous voyez, jusque là, honnêtement, le combat, je le tiens à peu près. Et puis après, il y a le moment où elle saute. Et donc là, ma stratégie, pour le moment, c'est d'essayer de voir si je peux utiliser le bouclier pour pouvoir me protéger un maximum et essayer de fuir. Mais même la fuite ne marche pas très bien. Voilà. Voilà. Oula, attention, voilà. Alors, si vous demandez pourquoi est-ce que le combat est si difficile, déjà, sachez que c'est beaucoup de contretemps. C'est une esquive perpétuelle dans sa direction qu'il faut faire. Donc ça c'est pareil, on n'est pas habitué. Et l'autre truc c'est que quand elle nous touche, elle regagne sa santé. Genre vraiment ça n'a pas de limite quoi. Allez on va prendre la potion. Je le sens mal, hein. Ok. Plus que 5 potions, ça pue. C'est dommage, mais ça va mieux. Allez. Mince, j'ai oublié la dernière attaque. C'est pas grave. Honnêtement, c'était pas si mal. Fais chier, Malenia. Je le dis solennellement. Elle prend mal la tête. Incroyable. Oh, attention, parce que là, j'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. Je commence à entrevoir un espoir, c'est pas bon signe. Le jeu qui joue avec mes sentiments. Il joue grave avec mes sentiments même, j'aime pas ça. Oh non, sérieusement? Incroyable. Wait.
Wow, la mise en scène, elle est incroyable. Alors, je savais qu'il y avait une P2. Oula. Mais par contre, du coup, j'avais jamais vu la cinématique parce que je m'étais pas spoilé. C'est juste que bah, sur Twitter, tu peux pas faire l'impasse de ces gens qui découvrent la P2, le react, tout, machin, tout ça. Mais alors, par contre, ouais, assez ouf. Attends, c'est quoi ça? Oh non, mais sérieusement? Elle l'a encore? Oh, mais putain. Non, mais ce jeu fait maintenant. Bon, du coup j'ai refait mon build encore une fois et j'ai changé d'armure pour avoir quelque chose de plus résistant. Là j'ai vraiment optimisé les statistiques comme je peux pas le faire mieux et on va utiliser Bobby parce que la phase 1, entre guillemets, je la connais. Mais c'est juste qu'elle est tellement longue et tellement éprouvante que du coup elle m'empêche de voir plus régulièrement la phase 2 et surtout même quand je le passe c'est tellement de temps. Je peux pas passer trop de temps non plus, donc on va faire la P1 avec Bobby, ce héros, et la P2 en solo. Allez, vas-y. Ah mais lui, il est parti sans moi, quoi, il a pas le temps. Attends, mais je joue pas tout seul. J'en reviens pas. Allez, c'est parti. Alors l'avantage, c'est que vu que je l'ai quand même fait énormément de fois, normalement au niveau des esquives, je suis pas trop mal. Comme il lui a dit stop. Genre, il a dit non, mais en fait, pas maintenant. Ah, dommage. Alors, le truc, c'est que par contre, le vol de vie marche aussi sur Bobby. Hein. C'est-à-dire que si elle le tape, elle regagne sa santé quand même. Donc, c'est avantagé, mais quand même. En fait, c'est avantagé quand tu as compris qu'il fallait attaquer en même temps que lui. C'est les attaques coordonnées qui vont vraiment faire la différence. Oh putain, par contre, j'ai fait n'importe quoi. Eh ben, je suis mort. Non, Bobby qui m'a sauvé. Oh, Bobby, mais t'es tellement un dieu grec. Et en plus, c'est lui qui prend la max. Ok, super. Bobby, t'es mon héros. Oh, pff, Bobby qui met le coup à l'épaule avec l'épée, mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, mais quel héros. Ah, Bobby, je crois que tu es attaqué. Bon, je vais te renvoyer avec nous, hein. Voilà. Et donc maintenant, c'est mon combat. Ah mince. Ok, un seul coup, pas deux. Oh putain, c'est tellement mal. Allez. C'est parti.
J'ai pas beaucoup de potions par contre là. Donc il va falloir bien jouer mais... Je vais essayer d'y croire. Ah, je prends tant de dégâts que ça. Je crois pas quoi. Je vais me casser. Oh non, putain. Tu es salement, mais... Bien sûrement. Ah non, ça n'a pas marché. Allez, putain. The mark of a true lord. Oh, dear Mikola. Oh, dearest Mikola. Donnez-moi une seconde. My brother. I'm sorry. I finally met my match. Bon, mesdames et messieurs, ça y est, le calme a été repris. Non, pas du tout. Sur le chat, c'est en train de péter un plomb. C'est en fureur. Donc, je rappelle que nous étions en live. 5h50 de live pour cette session-là. Mais j'ai fait 2h ce matin et également 3h. Hier, c'est le temps qu'il m'a fallu pour faire ce combat. Donc certes au niveau 99, mais c'est pas un exploit en soi parce que bon bah voilà, on peut le faire niveau 1. Mais je l'avoue, c'était tellement difficile. Je l'ai tellement pris de haut ce combat en me disant mais c'est bon, ça va être tranquille et tout ça. Bon voilà, je m'attendais à un combat qui pouvait se résoudre entre guillemets normalement. Mais là pour la première fois vraiment, je crois que j'ai été obligé de faire l'invoque. Alors... Je l'ai fait à la base dans un souhait de juste pas me retaper tout le temps la P1 que je commençais à connaître vraiment trop par cœur à force de faire toutes ces heures de travail et j'en avais marre, j'avais juste envie que ça aille plus vite pour voir la P2 qui est le moment où je bloquais le plus quoi. Mais ouais du coup, enfin voilà, c'est vrai que j'ai pris quand même l'invoque, mais je pense que même sans l'invoque, honnêtement en termes de potions et tout, je pense que j'aurais pas réussi quoi. Donc non vraiment, vraiment fou, sacré duel contre Malenia. Par contre, ouais effectivement, je le disais en live mais je vais le redire pour la VOD. C'est pas un duel que j'ai apprécié plus que ça. Parce que certes, il était compliqué, mais autant je suis prêt à accepter tout le pattern que j'ai vraiment trouvé absolument génial, mais juste l'attaque, la fameuse attaque, vous savez, le combo là qui te détruit trop vite. En fait, l'indicateur pour voir arriver cette attaque-là, surtout en P2, est tellement aléatoire que du coup, tu peux être en train de taper, elle s'envole à ce moment-là, et tu peux rien faire. Et du coup, ce truc-là fait que le jeu t'implicite que bah oui, il fallait revenir avec un niveau supérieur, une meilleure armure, un meilleur machin. Et ça, c'est vrai que dans les Souls, on n'est pas habitué parce que normalement, absolument tous les combats
qui sont parmi les meilleurs sont des combats qu'on peut faire autant niveau 1 que niveau max. Dès l'instant où tu connais le pattern, tu peux le refaire en fait. Parce que c'est l'apprentissage qui compte. Et là, j'ai eu l'impression que vraiment, il y avait effectivement ça, mais ça aurait demandé tellement trop de temps. Et le temps, je vais être sincère, je ne l'avais pas. J'ai quand même pas envie de vous laisser une semaine sans épisode parce que je tryhard sur un boss. Donc j'ai préféré faire les choses comme ça. Voilà, on a battu Malenia. C'était un sacré truc, et donc maintenant on va pouvoir terminer la quête de Millicent, mais avant ça, peut-être lire son souvenir quand même, qui va sans doute nous raconter des choses. Souvenir de la déesse de la putréfaction. Souvenir de Malenia, déesse de la putréfaction, façonnée par l'arbre monde. L'augure des doigts pourra extraire le pouvoir qui y sommeille. Vous pouvez également vous en servir pour obtenir une grande quantité de runes. Malenia et Michaela sont les rejetons d'une seule et unique divinité. Par cette vertu, tous deux sont des empyréens, bien qu'ils souffrent d'afflictions de naissance. Tandis que l'un fut condamné à demeurer enfant à jamais, l'autre se retrouva rongé par la putréfaction. Sacré truc, hein. Et donc j'imagine une récompense à débloquer, si on veut utiliser le souvenir pour peut-être une arme, une magie ou quelque chose de ce style-là. Peut-être son épée, ou peut-être pire, le truc qui fait qu'à chaque fois que tu tapes, tu regagnes de la vie. Si c'est ça, c'est fumé. On verra. Mon seul espoir, c'est que du coup, je puisse quand même maintenir ce niveau 99 jusqu'au bout, et pas invoquer Bobby sur tous les combats. Par contre, là je le dis, Bobby, mon seigneur, merci. Le seigneur d'Elden, c'est lui. Et je ne suis que la lame de Bobby. Et j'ai connu beaucoup trop de fois la défaite, mais heureusement cette fois-ci c'était la victoire. Allez, on enchaîne. Alors il y a un site de grâce, on va se reposer déjà et le valider. Et je crois que dans ce qu'on m'avait dit, ce qu'il faut faire, c'est se reposer pour faire apparaître, voilà, l'équivalent de cette sorte de fleur là. Et donc c'est là qu'on pourra peut-être utiliser, voilà, l'aiguille d'or pur. Ah, pour enlever la putréfaction de Malenia. Mais oui, ça fait sens dans le lore en plus. D'accord, mais Attends. Je consulte le chat. C'est bon, le chat a confirmé, je peux utiliser l'aiguille. On va s'en servir tout de suite. Ah, et je récupère l'aiguille de Michaela. Ainsi qu'une pierre de forge sombre des dragons anciens. Et donc on va lire l'aiguille que je viens de choper. Aiguille de Michaela, l'une des aiguilles d'or pur mise au point par Michaela pour contrer l'influence des divinités extérieures. Cet objet permet à un hôte de la flamme exaltée, moi, de réprimer le feu qui brûle en lui, forçant la main du destin et refusant le titre de seigneur de la flamme exaltée. Cependant, l'aiguille est inachevée et ne peut être utilisée qu'au cœur de la tempête éternelle qui se trouverait, selon la rumeur, à Farum, Azula. Sans doute une de nos prochaines destinations, on peut s'en servir qu'une seule fois, attention. Et donc ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, c'est, avant d'aller sur la fin du jeu, eh bien faire une petite sauvegarde en backup. Je vais essayer de voir si je peux la mettre sur clé USB par exemple. Et comme ça on pourra faire à la fois la quête de la flamme exaltée et en même temps les autres. On a réussi. Ah, intéressant déjà, je peux récupérer l'équipement de Malenia. Ce qui est, je pense, la moindre des choses. Malenia, attendez Michaela au pied de l'arbre mort. Mon frère tiendra parole, car il possède la sagesse et l'attrait irrésistible d'un dieu. Il est le plus terrible de tous les empyréens. Oh, la tenue, a l'air assez ouf. Et enfin, en l'échange du souvenir, on peut donc avoir la main de Malenia, une lame conçue pour s'intégrer à la prothèse de bras de Malenia. La consécration qui l'imprègne lui permet de résister à la putréfaction. Attends, quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de putréfaction, c'est à cette arme-là? C'est abusé si jamais. Les prothèses de guerre de Malenia symbolisent ses victoires. Certains disent avoir vu des ailes apparaître lorsque l'arme fut brandie, un présage d'une détermination à toute épreuve. La danse des anséréiformes. Vous vous déplacez avec aisance tel un anséréiforme avant d'effectuer un enchaînement de coups de taille vifs et gracieux. Enchaînez cette compétence pour asséner jusqu'à 2 attaques supplémentaires. Waouh, il y a moyen que ce soit complètement ouf. Floraison écarlate d'ivoine. La technique de Malenia, déesse de la putréfaction, conjure une énorme fleur qui explose et répand de la putréfaction écarlate. À chaque fois que la fleur éclot, la putréfaction de Malenia progresse. Elle a déjà fleuri à 2 reprises. À la 3e, elle atteindra véritablement le rang de déesse. C'est incroyable comment ça me fait penser à Drakengard. Très, 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 très drôle. Alors, petite transition pour moi. Nous sommes le lendemain, ce qui va expliquer le changement de voix. Il est assez tôt le matin et je viens de me réveiller. Mais au moins je suis frais et le repos était clairement nécessaire. Je suis retourné du côté des champs enneigés et je sais exactement ce que nous allons faire à partir de maintenant. Déjà on garde le cap évidemment de la forge qui est le cap de la quête principale et c'est l'endroit dans lequel nous allons pouvoir nous rendre notamment à partir de ce site de grâce. Mais avant ça,
nous allons explorer un peu plus les champs enneigés, puisqu'il y avait deux choses que j'ai manquées, au moins deux, peut-être trois, parce que je vois qu'il y a aussi la bâtisse qui est là-haut. Le premier truc, c'est ce point en rouge. Ce point rouge, généralement, c'est indicateur de caverne dans lesquelles nous allons trouver des objets clés, notamment des objets qui permettent de récupérer dans la boutique les pierres de forge, histoire d'avoir les acheter et pas les farmer. Donc on peut éventuellement commencer par ça, ce qui sera peut-être un peu plus en douceur par rapport à ce que je viens de faire, ça me permettra d'attaquer bien là. Et puis sinon, donc on m'a aussi dit, sans me dire exactement ce que c'était, qu'il y avait vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas que je manque du côté de l'ouest, au niveau des falaises. Donc je vais essayer de longer ça et de regarder justement s'il n'y a pas un petit peu de puzzle ou de choses comme ça à faire pour trouver ce fameux truc. Et ensuite, bah pourquoi pas éventuellement aller voir ce bâtiment, si c'est intéressant. Si ça l'est pas, je le couperai au montage et puis on passera à autre chose. Donc là, pour le moment, on va commencer par aller dans cette direction-là. Je vais quand même vous montrer quelque chose qui risque de vous intéresser. Je pense notamment à ça, parce que oui, donc j'ai acheté l'arme, et je voulais quand même vous montrer la technique spéciale qui est juste absolument fumée. Donc là, j'ai le cheat engine, en fait. C'est-à-dire qu'avec ça, je sais pas si vraiment ça fait autant de dégâts que ce que je me suis pris dans la tronche. En plus, je suis très fort en dexte, là, donc ça pourrait éventuellement servir. Mais ouais, donc là j'ai débloqué l'arme de Malenia et on pourra éventuellement voir si elle est intéressante. Allez, c'est parti, alors je vais juste mettre l'indicateur sur la carte, voilà, comme ceci, et on va prendre le cheval. Petit point équipement quand même, donc j'ai pas forcément de quoi respell énormément, enfin pas respell pardon, refaire vous savez tout mon build en gros. Il faut des larmes larvaires auprès de Rennala, et je l'ai fait déjà plusieurs fois pour essayer de trouver la bonne alchimie pour faire le combat contre Malenia. Mais donc le problème c'est que là, si jamais je repasse encore une fois en build de force, je sens que ça va être un petit peu la galère. Donc là je reste en build de dex pour un petit moment, ce qui explique le fait que je sois avec mes doubles lames, même si on est ici. Ah attends, hop là voilà, très bien, on va récupérer quand même un petit peu tout ça. Alors je vais faire attention parce que évidemment il y a toujours ces élémentaires qui nous font si mal. Ah, et qui m'ont esquivé. Ah, avec lui là qui est là. Oh, ça fait tellement du bien de revoir l'extérieur et de repouvoir... apercevoir ce genre de choses. Ah, voilà. Et je dis ça et on va dans une caverne. C'est la galerie de l'anis jaune. Et bah écoutez, c'est parti. On va retourner fermer le pastis. Pour oublier... pour oublier ce duel de ouf. Allez, je repasse à demain. Ah, attends, il n'y avait pas un petit truc là? Non, pas sûr. Et là-haut? Allez, je regarde, excusez-moi. Non, c'est bon. Bon, par contre, il est très fort probable que ce soit un donjon assez classique. Donc, d'une part, moi, je vais aller assez vite, et d'autre part, au montage, ça va peut-être charcuter un petit peu. Allez, déjà, on observe que... Ah, c'est plutôt très joli. Alors, attends, double envie, là. D'une part, il y a moyen de descendre, et d'autre part, il y a une porte. Est-ce que la porte est fermée? Exactement. Donc, c'est une porte avec raccourci. Et nous, ce que l'on doit faire, c'est descendre, basiquement, et ensuite revenir. Attends, quoi? Ils sont tous morts. What? Attends, est-ce que ce donjon a quelque chose d'intéressant à raconter? Peut-être, parce que là, quand même, tous les mineurs que l'on a vus depuis le début, là, ils sont quasiment tous décédés. Ouais, alors par contre, ce qui va être chaud, c'est que là, à l'arme légère ici, ça va être un délire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être un petit peu courir, et pas forcément tuer tout le monde. D'ailleurs, je vous le dis, là, je suis en train d'encoder l'épisode que j'ai fait, donc pour la ville de, je ne sais plus comment elle s'appelle, là où il y avait Malenia. Et ouais, j'ai réalisé que l'exploration, je l'avais rendue un peu moins fun que d'habitude, parce que c'était très difficile de ne pas être concentré. Et donc bah, j'espère que l'épisode vous a plu malgré tout, parce que c'est vrai que je pense que c'est peut-être un des plus faibles qu'on ait fait, alors que pourtant la zone était si ouf. Ah d'accord, donc là, on voit des choses. Alors il y a des pierres de forge à récupérer. Mais surtout j'imagine l'activation de la porte dans pas longtemps. Ouah, ça fait tellement bizarre cet endroit. Très étonnant. Mais c'est vrai que là, ça me fait un peu peur pour la suite de l'aventure. J'espère que j'arriverai à vous faire des trucs cool parce que je me rends vraiment compte que bah, les combats deviennent de plus en plus difficiles. Et... Oula. Et demandent de plus en plus de concentration, quoi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mon arme force me manque pour ce genre de fights. Terrible. Regardez ça, je me fais laver. C'est abusé. Ça y est, maintenant j'esquive dans les temps, et enfin en contre-temps. Et du coup ça m'induit en erreur. Allez, c'est bon. Hop, Malenia elle m'a retourné le cerveau. Alors, est-ce que ce sont les pierres forges, ça? Ah oui, c'est ça. Bon, je suis pas obligé de les récupérer parce que de toute façon j'en ai déjà plein d'axes. Moi ce que je veux c'est avoir une chance de les acheter. Ah, pierres de forge sont de neuf quand même, c'est pas mal. C'est pas mal du tout.
Alors déjà ? Waouh, attends, parce que là, on a fait une partie, mais pas tout, hein, parce que évidemment, bah sans doute un boss, j'imagine. Attends, déjà comme ça, là ? Trop bizarre. Il y a clairement quelque chose à faire en descendant, là. Bon. Bête stellaire ou dragon, quoi. Pardon ? Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Mais au secours ? Faut que je me rappelle du pattern. Oh la vache, je me rappelle absolument plus du combat. Fois, par contre, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire avec cette arme-là ? Je suis pas sûr. Allez. Oula, l'erreur. Ouf, la chance. Ah, je l'ai peut-être fait un peu tôt par contre. Ok. Donc ça, pas de problème. Ça marche toujours aussi bien. Et boum, un tiers de vie. Mince. Prise ou pas ? Non, c'est bon. Contre laser, sans doute. Ah merde ! J'aurais bien voulu le faire tomber. D'accord, donc c'est arrière-arrière pour esquiver et après avant pour faire le... passer au travers en gros quoi. Allons du... Et zut. Chance de ouf par contre hein. Et là on voit que c'est la prise du coup parce que... Attends quoi ? What ? Ouf ! J'ai jamais vu cette attaque. Ah mince ! Je croyais qu'une fois que j'étais dedans, c'était bon, moi. Peut-être un saut. Oula. Bon, je vais réussir à le faire, mais ce sera pas avec les honneurs. Alors, je viens de découvrir qu'on pouvait faire ça, je sais même pas. Je suis curieux de savoir si vous le saviez. Même là, je l'ai fait à l'instinct, mais je... J'y croyais même pas. Oh non, mais non, pas le laser. Je peux me prendre tout, mais pas le laser. Bon, allez, il va tomber. Encore une fois, pas avec les honneurs, mais il va tomber. Bon, on l'a déjà battu une fois avec les honneurs, si... Et bim, voilà, on n'en parle plus. Y'a pas de P2 là. Hein. Et on récupère la météorite d'Astel. Sorcellerie de pierre d'éclat puisant dans l'énergie gravitationnelle. Vous faites appel au néant pour invoquer une pluie de météorites. Maintenez la commande enfoncée pour continuer à lancer le sort. Donc c'est ce qu'on a pris dans la tronche. Une manifestation du pouvoir dont se servit Astel pour raser la vie éternelle. Je trouve ça trop bizarre. Mais vraiment trop bizarre qu'on ait ce combat ici. Parce qu'à la base... Ça donnait vraiment l'impression d'être un combat unique
récompense d'un parcours quand même assez ouf. Rappelez-vous, quand on l'a vu la première fois, c'était vraiment la conclusion de quelque chose de très grand, quoi. C'était dans la quête de Fia, c'était avant de remonter à la surface et de voir le dragon. Enfin, il y avait quelque chose de très fort dans l'idée d'avoir enfin un boss qui change, un boss qui semblait unique. Et là, on nous le remontre de manière complètement random dans une caverne, alors que bah, c'est très accessible. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont vu le boss pour la première fois ici, quoi. Ce qui est dommage, parce que du coup, l'autre perd son effet. Je trouve ça, ouais, je sais pas, je trouve ça vraiment discutable comme choix de placement. Après, je suis content, parce que du coup, il y a plein de gens qui ont pu le voir malgré tout, même sans faire la quête de... C'est Fia ? Mais non, c'est pas Fia, c'est l'autre. C'était la quête de... Rani, pardon. Mais donc, ouais... C'est particulier. C'est un choix que je ne comprends pas trop, mais par contre, derrière, bah, c'est toujours un combat cool à faire, quoi, parce qu'il reste magnifique. J'ai pas eu l'occasion de voir si l'arène était identique. D'ailleurs, est-ce que, bah, comme dans le précédent, on avait vraiment au sommet la constellation et tout ça, ou est-ce que je restais dans la grotte ? J'avoue que j'étais tellement focus sur le boss que je me suis même pas attardé sur le décor. Bon, c'est pas très grave. Juste, je vous le dis, j'ai fini d'explorer la caverne. Je suis allé voir un petit peu s'il y avait des choses. Il n'y avait rien, donc on va continuer en direction de l'ouest. Alors pour vous aider à vous repérer, on était sur la grotte qui était en bas là, et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de poursuivre en longeant tout simplement. Je vous cache pas que j'ai envie de tuer ce genre de colosse parce que j'ai tendance à croire qu'ils sont quand même assez uniques, et que si tu les bats une fois, ils sont battus pour de bon, mais je peux me tromper. Ouais bon, lui il me regardait, il était posé, oula, attention, ne fais pas le fou, attends c'est quoi ça? Trop bizarre. Ah mais c'est un piège. Ouah. Ah oui, il était en colère. Ah mais c'est rigolo parce que la magie que j'ai chopée justement, c'était sa magie à lui. Cet endroit est tellement beau et tellement grand. J'aime trop, mais vraiment, les structures comme ça, un peu gigantiques, ça me fait vibrer. Par contre, est-ce que je suis pas déjà venu ici? Et surtout, ce qui me chiffonne un petit peu, c'est qu'on n'a pas de boss là. Oh non, pas l'ours. On va le laisser tranquille, hein. Et on va regarder ça. Ah, déjà. Ah, là-haut, peut-être. Ah, attends. Ça m'intrigue. Bon, je pense pas que l'ours soit un boss, donc on va le laisser où il est. Il a l'air très bien comme ça. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ok. Y'a plus le... Non. Regardez ça, c'est magnifique, hein. Vraiment, les structures comme ça, là, c'est d'un gigantisme à toute épreuve. Et surtout, je trouve ça toujours aussi fou, le fait d'avoir réussi à donner cette impression de petite tempête de neige, tout en gardant la grandeur, finalement, de la géologie. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça vraiment trop beau. Ah, c'est peut-être là-bas qu'on doit aller. Alors, juste, je vous montre rapidement la carte. Nous sommes ici, d'accord? Donc là, j'ai déjà longé là, il n'y avait pas grand-chose. On va essayer de continuer dans cette direction. Allez. Alors je me balade et j'explore, et là je vois quoi? De nouveau un géant à la cloche, oula! Qui se défend pour la première fois. Wouah! Wouah! C'est incroyable! Wouah! Alors lui il est hallucinant pour le coup. Je trouve ça complètement fou. Vraiment, en termes de mise en scène, je trouve ça complètement maboule. Alors, est-ce qu'on peut toujours faire ce qu'on a l'habitude de faire? Attends, mais... Mais le pire, c'est qu'il me fait trop mal, quoi. Wouah, attends, mais c'est... Ok, c'est un tradit, quand même. C'est-à-dire que je peux l'avoir avec le... Voilà. Alors, est-ce que je peux faire ça? Ouais, ça marche. C'est pas opti, hein, mais ça fonctionne. Alors, il y a aussi la bâtisse ici, mais d'abord, je vais finir le combat. Si je pensais me battre un jour contre eux. Parce que les faire tomber en puzzle, ok, mais... Mais là, comme ça, j'aurais pas misé dessus. Allez, je suis pas très loin de l'avoir, je pense. Très bien. De toute façon, dès qu'il ne lance plus de projectiles, je pense que c'est le moment où j'ai réussi le combat. Ouah, il m'a fait tellement mal. Ah, par contre, il s'est pété lui-même un truc. Mais c'est que ça me demande de la santé en plus, hein, parce que... Malgré tout, là... Waouh. Je vais tellement me faire tuer. Allez, dépêche-toi.
Ah, il tombe. Il tombe. Et la porte est là. Incroyable. Cette version-là était vraiment trop intéressante. Puis alors pareil, le fait de la voir de loin mais de pas l'entendre et d'avoir d'un coup la surprise des attaques et tout, ils ont trop géré la surprise quoi. Juste génial. Bon, si j'en crois les rumeurs, quand il y a ici la cloche, donc on duplique, exactement. Et donc on va dupliquer peut-être... Ah, quoique. Parce que là, j'avais pas vraiment de nécessité d'avoir un de ces souvenirs en plus. Bon, je vais faire celui de Malenia, mais c'est sans conviction. Allez. C'est parce que je sais qu'il y a la magie qui pourrait éventuellement être cool. Mais je sais plus du tout ce qu'il faut pour avoir le platine, notamment du jeu. Est-ce que je dois avoir toutes les magies légendaires ou ce genre de trucs là? Donc on verra plus tard de toute façon. Au pire, je ferai du New Game Plus. C'est certain. Et donc voici les ruines cléricales. D'accord. Alors, je vais me reposer tant qu'à faire. On va en profiter. Et si je regarde au fond, il y a effectivement une statue. Une statue ou une personne d'ailleurs. Bouclier miroir en argent. Waouh. Bouclier en argent resplendissant paré d'ambre porté par Loretta, chevaleresse de l'arbre sacré. Ah, trop cool. Sa forme évoquant celle d'une goutte de rosée sacrée donna naissance à une absurde rumeur prêtant à Loretta une origine albinorique. Et c'est un bouclier qui n'a pas de compétences, mais qui est juste magnifique. Et je peux invoquer l'Athéna. D'accord. Oh young yet towering sister of ours. Let the birthing droplet in and create life for us, for all the Albinorics. Thank you. I finally fulfilled my purpose. Our young yet towering sister will give us hope. Now that nothing is left unfinished, I will join you in battle to the bitter end. And when the fighting is done, then you may lay me to rest. Beside Lobo, my dear wolf. Alors vous allez rire, mais je ne sais plus du tout qui c'est. Je m'en rappelle plus du tout. Il n'est pas impossible. Je dis bien, il n'est pas impossible que ce soit la personne qu'on avait eue, vous savez, à Liurnia, qui est à côté d'une tente. Et effectivement, j'ai un souvenir d'un truc avec un loup mort ou quelque chose comme ça. Mais c'est tellement vieux comme souvenir que là, je suis plus tout à fait sûr. Donc peut-être ça. Mais je vous dis ça sans conviction. Bon, j'ai trouvé. Mais alors par contre, je suis passé juste à côté tout à l'heure, regardez ça. Il était juste en bas, ce petit téléport qui nous attend. Pour vous donner l'indication de la zone, on est juste à côté de l'ours que l'on a croisé tout à l'heure. Et donc c'est ici, sur la map. Je vous le dis parce que ça pourrait éventuellement vous aider si vous cherchez ça. Dans votre partie également. Allez, eh bien écoutez, on va faire ça tout de suite. Un téléport sanguinolent, ce qui est plutôt inquiétant. On va voir, est-ce qu'on veut se téléporter? Oui. Elden Ring fait nous rêver. Waouh. Comment ça, c'est au noir? Oula. Oh non. Encore une caverne de l'enfer? Ah, je m'attendais pas à ça. D'accord. Pourquoi mon petit doigt me dit qu'on est sur un truc de ouf là? Oh, oh. Ok, ok, d'accord. Il reste encore tout ça, quoi.